Salut tout le monde et bienvenue dans ce superbe stream sur Mythopia. On part vers la fin du jeu sûrement. Bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien. Et du coup, bah, ma team elle est pas prête, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'avais préparé juste avant. Attends, regarde. Oui, ouais, c'est bon. Donc nous sommes partis vers de nouvelles aventures. Bonsoir. Ah, oh les laïa, sympa. Pourquoi? La nourriture épicée? Elle donne plus à manger, Laïa. Oui, bah je sais pas. Ouais, bon, tu sais pas, elles sont battues. Non, je crois que c'est Laïa qui aime pas Hall, moi, je sais pas. C'est Laïa qui aime pas Hall, oui. Tu veux un chien? Tu veux un chien? On se calme! Non, mais oh! Salut. Madame Laïa! Le postier! Falcon! Alors, qu'est-ce qu'on a reçu comme lettre de beau aujourd'hui? Bonne lecture, oui, fantastique. Tout est bien annoncé. Cher Laïa, vous devez sans doute être déjà au château de l'avatar du mal. Je vous encourage de loin. Héhé, Hilda de l'Orule. N'oubliez pas. C'est gentil quand même. Alors, on va commencer en haut, allez. Tu vois, t'inquiète, on a le temps. On va faire plein de fois les mêmes chemins, parce que Youpi. C'est rigolo. Ouah, des tornades de feu. Ouah. Ah mais oui! Là, Laïa, elle aime pas Hall parce que elle veut pas qu'on... qu'on la soigne. Ah, mais j'ai changé la personnalité d'Hall maintenant, elle est énergique, donc ça devrait aller. Bah visiblement, elle a attaqué, donc ça commence bien. Ah oui, du coup, là, Maylu, elle est énergique aussi. Elle tremble d'excitation. Allez, on va aller à l'auberge, trop bien. Non, voilà, c'est secouer le téléphone, ça enlève le night mode et ça le remet. Du coup, j'ai... Bien joué, poum poum poum. Ne t'inquiète pas, ça faisait longtemps que je venais pas. Ça fait plaisir de vous revoir en direct. Ah, le Minotaur, tiens. Est-ce qu'on va le tanker? Non, mais elle est super nulle, Girae, du coup, c'est trop triste. Tu vois, elle attaque maintenant, tu vois. Sois rassurée, elle fait des attaques. Oui, donc... mais je me demande si la personnalité énergique influence pas les attaques. Enfin, que ça rend le personnage plus offensif. Je vais essayer de soigner, du coup, comme ça peut-être que ça va mieux se passer. Parce que comme on remarquait que Meilu était plus offensif qu'Ignigem et que mon Meilu était aussi différente d'Inkirae, pas forcément pour attaquer, ben... voilà. On se demande si Hall va être un peu plus... offensive en étant énergique. Bah pour l'instant ça a l'air de plutôt bien marcher. Bon bah bon après voilà, il y a la part de RNG, je suppose. Oui. Elle a fait 60. Qui? Laïa. Elle est super forte, Laïa. Elle fait autant de dégâts que les payistes quand même. Ah mais elle était en retard, elle méga feu. Bien. Ah oui d'accord, ok, on a fait un chemin pour rien. Je suppose que là si tu vas en bas ça va faire le... Ouais je pense que ça va faire pareil. Même chose. Bonsoir les Knights, vous allez bien? Ça va, merci. Ah des gorilles protéines, trop bien. Ah petite scénette. Tiens. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, encore ce rêve. Toujours ce rêve. Voilà, presque autant de MP que de HP. C'est trop bien. Est-ce qu'on utilisera cette team jusqu'à la fin? Ça se pourrait. Ça se pourrait. On peut être healeuse et faire mal. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas de problème. Hein. Moi je suis plutôt d'avis que, voilà, de toute manière, Laïa, c'est pas juste une healeuse. Plus que ça. Oh, le pauvre papillon. Je tente les Minotaurs. Ah, elle les a tous tués. Ouais, c'est bien d'avoir Girae dans la team, oui, même bien si elle sûr. Fait pas beaucoup de dommages, je sais pas pourquoi. À côté de toutes les autres, elles font plus mal, mais elle, non. Non mais mage, voilà, non, ça non, fait non. De l'AOE, alors ça a pas besoin de beaucoup d'attaques. Relation sincère, partage de la nourriture avec le partenaire si celui-ci n'en a plus. Trop bien, bon. Alors, On fourche, lance-cœur. Est-ce que tu veux ça? Oui. Attends, d'abord on va aller voir le jeu en fait.
Mais non, c'est pour les... Bah ouais, j'allais dire c'est pour les Inklings, parce que voilà. Toujours. Bon, alors du coup, on va acheter la fourche. Ouais, une fois, mais on n'a plus beaucoup d'argent. Oui, j'avoue. Bon, ça va, elle est mignonne quand même, la fourche. Oui. 80 de magie. Elle est très jolie. 80 de magie. La dague poisson. Tunique du zénith. Les billets. Micro de reporter, donc ça ressemble donc à ça. Oh, il est temps de manger. Alors, les gorilles protéines. Là, il c'est pas bon, hein, je comprends. Donner de la magie à l'IRA. Ah bah, c'est clair. Et du coup, les 5 chambres servent à quelque chose, et oui. Bon, bon, bon. Vous n'avez pas mis vos mi sur l'assemblée des mi? Qu'est-ce que c'est? Si c'est un truc avec internet, on n'a pas internet sur notre console. Pouvez-vous réussir à avoir des relaxions relax. Niveau 99. Impossible. Quel repas? On va tout le monde à manger. Tout le monde est revenu? Eh oui. Bonne chance contre Paragus, merci. Ouais, non, mais là, il faudrait que je réussisse à récupérer la relation entre les deux filles, et là, ça serait bien. Bah, faudrait que... Ah, mais non, c'est Laya. Bah, sinon, tu les mets dans la même chambre. Ouais, je suppose. Parce que je crois que si Laya, elle soigne, ça marche pas, en fait. Bah, elle voudra peut-être pas, en fait. Non, mais je l'ai déjà fait. Mmh. Bon, je vais retenter, mais... Je crois que non, hein, il faut que ça soit Hall qui fasse des trucs gentils à Laya. Pas l'inverse. Mmh. Là, on va affronter le Minotaur, je crois. Trop bien. Et voilà, c'est le Minotaur. Wow. Ah voilà, elle va faire son méga feu. Ah, ça fait 83, c'est déjà mieux. J'ai faim. Ah, ça dit les phrases. Oh, elle brûle. Ah, je voulais... Bon, je vais la soigner, je vais voir, là quand même, je vais juste soigner elle pour voir. Et merci. Bon, je vais la soigner normalement. Mais non! Mais non! J'allais la soigner justement avec une salière. Je sais que normalement j'aurais dû la soigner avec des trucs, mais je voulais voir, oui. Oui, ça n'améliore pas leur relation. Du coup. Oui, ça va, merci Gubobrax. Elle s'arrange un nouveau tour. Ah ouais, t'as attaqué, c'est pas grave, je m'en fais un nouveau tour quand même. Voilà, c'est bon. Non mais oh, vous croyez quoi? Je vais pas attaquer. Bonsoir à ceux qui arrivent. Est-ce qu'il faut mettre l'irail énergique? On a marre de la voir, ouais. Non, mais c'est par rapport au fait que ça détruit les relations avec le healer. Parce qu'au final, le skill, comme quoi ils attaquent deux fois, elle le fait pas tant que ça, et c'est censé être l'intérêt des classes déterminées, tu vois. Oui, bah après, tu sais, la classe énergique, elle est censée attaquer, et puis elle le fait pas forcément. Trop bien, plein de sucre de papillon. Vous pouvez monter un peu le son? Non. Quoi? Non, mais c'est pénible, c'est à cause des copyrights, quoi. Je les monte pas. On va les mettre en 100. Ah, trop bien. Bon, alors qui c'est qui veut acheter rien? Personne veut acheter quoi que ce soit, trop bien. Qui est Hall? Hall, c'est une diablotine. Une épée de paladin. Bon. Non. Nina. Voilà. Ah là 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 là. Je suis en train de me spoiler, mais puisque c'est vous, c'est pas grave. Je suis prudent et c'est bien. C'est bien d'être prudent, je suppose. Prudent dans la même chambre. Du coup, tu les as mis dans la même chambre? Oui, oui. Depuis quand il y a autant de personnages? Depuis le dernier stream. Le mi-blond, c'est Colette ou quelqu'un d'autre? Sinon, c'est qui? Je n'étais pas là au précédent stream. C'est Lily.
Le pire, c'est qu'on a un Micolette, mais c'est pas Colette. C'est pas Colette. Au fait, qui fait quoi? Il n'y a plus Mifa, je pleure. Mais si. Oui. Mais Mifa, elle est à l'auberge avec Lily. Elles sont devenues les meilleures amies du monde. Non, bah c'est clair. Il y a eu une dispute entre Laïa et Hall, oui. Ces monstres sont vraiment coriaces. Et si on ne peut pas nous faire remarquer? Ouais, super idée! Pas bien, qu'est-ce que je viens de dire? Ah, pardon, désolé. Mets ça sur le compte de mon enthousiasme. Quand est-ce que vous allez commencer Sonic Mania? On l'a dit en tweet. Mais j'ai pas Twitter. Ah bah tant pis pour toi alors. Ouais. Ça va. Non mais franchement, elles ont pas peur les filles. Hein, non, genre... mais ça va, c'est que le château c'est de l'avatar du mal. Hein, il nous a déjà kidnappé, mais c'est pas grave, on s'en fiche. De toute façon, il peut pas nous kidnapper plus, là on est chez lui. Gray a changé de coupe de cheveux. Oui, ah, bah, oui. Elle a une queue de cheval maintenant. Mais arrête de faire la tête, Laïa, c'est bon. Grandis un peu. Trop bien. Ah bah ok, j'allais dire il fallait que je soigne Rai, mais non. Bon, on a trouvé un moyen de se soigner. On dirait des chats, les Mickey Bay. Attends, je t'aide. Nyark, nyark, nyark. J'ai bailli à cause d'elle. Mais je sais pas, parce que du coup, oui, c'est quand même, ça reste quand même intéressant de monter la magie de d'un personnage guerrier, parce que quand... Mais voilà. Allez, hop. Ça reste intéressant de monter la magie d'un parce personnage. Parce que quand elle attaque avec quelqu'un qui fait de la magie, genre là, Meilu, elle fait pas beaucoup de dommages, en fait. Je pleure, le stream ne s'affiche pas pour moi. Faudrait peut-être dire avec Alukinomoto que peut-être qu'il faut qu'il mette à jour son plugin de Adobe Flash Player. Elles sont déjà 19, toutes les deux. Vengeance 2. Ah déjà, c'est bon. Oh non, mais ça fait trop longtemps qu'on joue. C'est bon. Ça fait combien de Attends, temps Attends, Laïa. Ah oui, ok. Attends, Laïa. Elle veut encore une fourche, elle. 3300. Ah bah non, faut attendre l'équipement, là. C'est le seul truc, hein. Après, c'est des bananes. Tunique à cœur. Trop bien. Ça. Ah, elle aime pas le griffon, quoi. C'est qui le personnage bleu avec Velvet? C'est Inigem. Bon. Ah oui, bah écoutez, Paragus, il doit bien mettre des auberges pour tous ces monstres. Il faut bien qu'il dorme à un moment. Je regarde le nombre de HP de tout le monde. Ils ont tous au-dessus de 70 et Guiréal à 46. Ah bah voilà. C'est bon, elle l'a eu. Ah non, mais je voulais la lance, c'est tout. Trop bien la lance. Ok, d'accord, en plus c'était juste pour un chemin, quoi. Non mais ça va bien à l'IRAE de refuser l'aide de Laïa. Ouais, ouais. Laïa. Ah. Je suis désolée, je ne voulais pas te faire de peine. Je veux que tout redevienne comme avant, tu me pardonnes? Non. Ah, ça va. Mais non, elle est gentille, Laïa. Merci, Hall. C'est bon, elle est pardonnée. Pas de problème. J'allais dire, je peux refaire ce chemin à l'infini comme ça, je les corrige, mais bah non, pas besoin, bah voilà. Oh. Elle est en retard. Elle est si en retard que ça, elle. Oui, oui, mais je savais qu'il prenait plus d'équipement avec Lily. Oh non, mais c'est trop moche. Ouais, trop bien. Oh, oh mon dieu. Mais pourquoi ça existe? Pourquoi t'as 2500? Dirais, comment t'as fait pour les Inklings? Comment ça, comment j'ai fait pour les Inklings? T'as triché. Mais ça m'étonne que t'aies pas mis l'Iraé en Diablotine. Non, Vermillon, l'Iraé, elle est dans le début, et au début, on n'avait pas débloqué la classe Diablotine. Okay. C'est pour ça que Hall existe.
Bon, bah, on va chercher. T'as changé l'aspect ? Non, j'ai pas m'équipé. Ah, ok, tu l'as pas équipé, mais t'as équipé la lance. Oui. Non, mais l'aspect, il fallait changer l'aspect de la lance aussi, c'est trop moche. Ok, pardon. On dirait un crypto. Je crois que je vais abandonner. Dans ce cas, il faut utiliser l'abri lors des combats. Tu récupéreras peu à peu ton énergie. Bonne idée. Je reste à l'abri avec un jus d'orange jusqu'à la fin du combat. Je parle de te mettre à l'abri, pas de jouer les tirs au flanc. Hé hé hé. Regarde, elles font des clins d'œil. Trop bien. De mon côté, l'Irae est guerrière. Parce qu'Ocarina, tu voudrais que je te mette Diablotine, Irae. Ce serait mieux, oui. Oh purée, des lunettes. Trop bien. Pour faire les Inklings au niveau des yeux. Ah, c'est une moustache en fait. Quoi? Elles ont de la moustache les Inklings? Mais non, mais c'est une moustache noire que j'ai montée jusqu'au niveau des yeux en fait. Ah, mais je savais qu'elles étaient barbues les Inklings, c'est bon. C'est pas pour le rendre dark, c'était juste pour faire un anagramme. Pour le rendre dark. Oh, Hall, c'est trop dark comme nom. Techniquement, ça peut vouloir dire... lumière dorée, tout ça. Alors oh voilà. Non, elle s'est fait rouler dessus. Pas lumière, mais je voulais dire dorée. Comme l'or, ça brille, c'est lumineux, enfin voilà. C'est pour ça que Hall, elle a les yeux d'or. Oh purée, il y a le Minotaur. Je sais que vous l'avez déjà dit, mais elle vient d'où, Doll? C'est bah, comme la plupart des personnages que vous connaissez pas, genre Ignisium et tout, c'est des personnages qu'on a inventés. Mais non, mais vous êtes sérieux? Mais non, mais arrête de faire ça, toi aussi, trop bien. Hein. Non, non, Hall et Law n'ont aucun lien. Les Inklings ont des monosourcils alors? Bah non, puisqu'elles ont des sourcils au-dessus de leurs yeux. Une moustache, c'est pas un sourcil. Ignisium n'est pas un perso inventé! Non mais oui, il existe un personnage qui s'appelle Ignisium Senia, mais Ignisium là, cette Ignisium là, elle s'inspire du nom de Ignisium, mais c'est pas le même personnage. C'est comme si Atonner, on me disait « Non! Atonner, c'est pas un chat! Atonner, c'est une manticore dans Dragon Quest 9! » Ok, ok, désolé. Sans s'entraîner, Nira est morte. Ah la pauvre. Salut Bipika. Mais tuer les Minotaurs, sérieux, ils sont trop longs à tuer. J'avoue mais Hall, pourquoi elle le fait pas tout le temps? Mais elle le fait quand elle a plus de vie. Mais Ignisium, si, on le connaît. Il vient de Ragnarok. On le connaît. On le connaît, genre, Ignisium, ça y est, c'est plus une... C'est un garçon, c'est bon. Mais lui, c'est pas un chat, c'est une heure. En fait, pour trouver des noms originaux, bah, on s'inspire de trucs qu'on aime bien, genre Ignigem. Genre Ignigem. Ou Atonner. Ou Laia. Ou Hall. Ou Spaghetti. Spaghetti. Bah, elle fait des explosions quand il y a beaucoup de monstres. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau, là? Une robe kimono. Wow. Ouais, ouais, va tenter. Expérience de ta vie. Incroyable, elle a obtenu une robe kimono. Alors, est-ce qu'il y a rouge? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a rouge et c'est tout? Ok. Ben, rouge. Mais il faudra enlever le chapeau. Oh là là, tu veux toujours enlever le chapeau aussi. Eh oui, eh oui. J'ai regardé les rediffs sur YouTube, mais là, je suis un peu trop loin. Oui, on n'a pas encore tout rediffusé sur YouTube, désolé. Bon, bah, allez, vas-y. Oh mince. Mais Ignisium, à la base, ça vient d'où? Enfin, le nom de base, enfin, Ignisium, machin... Ah bah je sais pas d'où ça vient. Ah mais Ignisium, on a cherché l'origine, mais on trouve pas. Du coup, on se demande si ça vient du mot énigme ou pas. On sait pas du tout. Vu qu'on a volé le nom. Ah, trop bien. Oh, ah, trop bien, oh, la Dieu. Princesse musclée. Ah non, mais la oh meilleure. Mon Dieu. La meilleure. Elle est bleue, sa robe, normalement. Ah, la meilleure. Pourquoi tu l'as mis rouge? Mmh, parce qu'elle est musclée. Hmm. Rejouer? Non, non, ça va. T'as quand même... Non, t'as pas encore enlevé le chapeau. Non, bah non. D'abord, j'obtenais la magnifique tenue gonflette de machin. Attends, c'est bon. D'abord, la tenue gonflette, et après, on voit le reste. Non, mais je veux dire, le nom que vous avez volé vient d'un personnage animé ou de jeu... Oui, donc Ignisium, donc, ça vient du jeu Ragnarok Online. Ça vient pas de Enigme et Gem. Ça se pourrait. Mais en fait, elle a deux noms...
comme de base c'est un personnage qui a été inventé par des Coréens, on sait pas trop ce qu'ils voulaient mettre comme nom pour de vrai en fait. Parce que des fois c'est Ignisem et des fois c'est écrit Ignigem, enfin voilà. Attends, on mange un truc. Quel repas? La robe busclée est la meilleure, bah oui bien sûr. Osez me dire le contraire. Ose me dire le contraire, toi qui as porté cette robe pendant tout le jeu. On va pouvoir chercher notre coffre. Fantastique. C'était mieux avant. Peut-être que ça peut venir de Eggmam. Je pense que Ragnarok Online, ça a un peu rien à faire de Sonic. Des ailes en pierre. Wow. Ah oui, d'accord. Mais si on retarde que ça au niveau de ses équipements. Mais oui. C'est nul. Faites une pause, bon sang. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent acheter des trucs? Ah, regarde, elle veut acheter une tenue hacker, tu veux acheter ça? Oui, une tenue hacker? Ouais, une tenue hacker, tu hack le jeu comme ça. Hop, trop bien. Voilà, vous avez hacké le jeu. Voilà, félicitations. Vous, maintenant le jeu est cassé. On va la mettre en bleu. Je sais pas, j'hésite entre rose, blanc et jaune. Non, je vois pas très bien pour l'instant. Bon, voici jaune. Oui, oui. Voici rose. Oui. Voici blanc. Et toi, tu penses que c'est mieux comment? Je sais pas trop. Le bleu, c'est le mieux. Mais non. Bah, faut te décider, vite. Mais... pas le droit de m'abonner pour payer, je suis trop triste. Quoi? Bah j'hésite entre blanc et rose maintenant. Ok. Oh, je sais pas, rose ça fait quand même des trucs alors que blanc, bah, c'est blanc quoi. C'est vide, c'est triste. Bah il faut lui remettre sa lance-cœur maintenant. Ouah, l'épée de paladin. Une épée en or, trop bien. Baguette cœur. Ah ouais, 3300. Bonsoir, c'est la première fois que j'arrive à venir depuis fort longtemps, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Bon, je vais lui acheter ça aussi. On a plus d'argent, c'est trop bien. Trop bien, épée de paladin. Épée de paladin. Ah, Ignigem. Anako dit que les affaires que Hall récupère, c'est juste... ça traînait comme ça. Mmh. C'est les diablotins, les sbires diablotins ouais. De Paragus, voilà. Bon. Madame, elle veut changer de tenue. Oh, le c'est Cupidon. Voilà. Bah ouais, si c'était en blanc, bah ça aurait pas été. Parce que mais si. Ça aurait fait une lance rose avec un vêtement blanc, n'importe bah quoi. C'est très bien. N'importe quoi. Je suis d'accord avec toi, voilà. Ah, il va y avoir bientôt une scénette. Trop bien. Après les cornes, peut-être qu'il faudrait remettre des cornes normales. T'aimes pas les cornes roses? C'est pas logique. C'est vrai. Allez, tout le monde bourrine le machin. Et il est même pas mort. Bah si, maintenant il est mort. Quand même triste pour Hall que la Yalf a plus de dommages que... elle fasse plus de dommages que... Ah, voilà. Je préférerais Senya à ce stade. Mireille, c'est quoi ta classe préférée? C'est Diablotine. Et paf! Bon, alors t'aimes bien quoi comme... cornes? C'était les cornes... Non. Oui, mais c'était pas cette couleur-là, c'était la plus foncée, marron, oui, voilà. Non. Je crois que c'est ça. Non. J'imagine que le nombre de visages est infini. Je sais pas, je me dis que ça se bloque à 9999, mais peut-être que ça va plus haut, je ne sais pas, je n'ai pas fini le jeu. Bah, il fallait le finir avant aussi. Mais non! Ah oui, mais on a inventé notre relation, trop bien.
J'ai 43 niveaux de retard par rapport à Milu, mais Milu il n'existe pas, alors je m'en fiche. De quoi tu parles? Je sais pas, c'est un commentaire qui dit ça. Oh, wow, gâteau à la crème, c'est l'anniversaire de qui? Bah de Mifa. Toujours l'anniversaire de Mifa. Oh non! Oh non! Oh, elle est tombée dans un piège! Ah, mais ça lui va bien. Dommage que dans Mythomdia, vous n'avez pas Mimidona. Quoi? Parce que Mimidona... J'avais un Mimidona sur ma Wii. Mais je l'ai jamais récupéré dans ma 3DS. Ah purée, en plus on affronte le Minotaur, quoi. L'avantage, c'est que si tu retournes là, au moins il n'y aura plus le trou. Le trou. On peut dire que Hall est tombé dans un hall. Ah non, mais Anako, si tu savais le nombre de jeux de mots qu'on passe notre temps à faire sur Hall avec Milu, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là. J'ai mis un Mimilu qui est guerrier dans ma partie, comme tu n'avais pas compris. Si, j'avais très bien compris. Allez, on ressuscite là, gars. Trop bien. Allez, pour rigoler. Mais, remarque très pertinente, Hall, elle peut voler. Bah oui, pourquoi elle tombait? En fait, c'est fait exprès, elle avait juste envie de rentrer à l'auberge. Ah, oh, c'est trop épique. Ah, trop bien. Oh, il va se faire massacrer, le machin. 126-107. On peut même pas choisir quel ennemi tu veux attaquer, en fait. Ok, elle va quand même mourir, les gars. Pas de problème. Relation sincère, c'est beau. Dit comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui? Toilette rapiécée. Non. Vous me conseillez d'aller acheter Mythopia? Bah, c'est un jeu sympa, franchement, j'aime bien. Allez acheter Mythopia. Après, voilà. Allez acheter Mythopia. Allez acheter Mythopia. Si vous ne le faites pas, qui le fera? Ouais, c'est bien, on va. Tout refaire. Incroyable. Tu vois, elle attaque maintenant. Est-ce que tu penses que Hall, elle aura l'attaque des diablotins, là, faucheur, qui fait 999 de dégâts? T'aimerais bien, hein? Oui. T'inquiète, ça marche pas sur les boss, ça sert à rien. Vous mettez pas Hall et Liraya ensemble? Bah, y a pas de raison. Oh, elle est trop lourde, l'épée. Oh, elle est morte. Non. Allez, pour rigoler, on va tenter. Attends, je t'aide. C'est bon, maintenant on veut bien ressusciter. Et du coup, elle récupère tous ses points de vie. Manipule les émotions d'un équipier pour stimuler son action. Carrément. Que tu commences pas à l'appeler Anna? Pourquoi Anna? Pourquoi pas? Merci Pikachu. Oh, des bananes PV. Ah oui, mais vous en avez plus, tu rigoles, mais t'en as plus. Non, mais vous êtes sérieux là? Oh, mais il y a combien de chemins? Trop. Est-ce que la salière devient augmenter? Non.
Bon, il est... Non, il est long ce combat, alors voilà. Ah ok. Désolé Anako. J'ai pas encore autant de vocabulaire que toi. Ah t'es trop nul. Pourquoi? Je vous? C'est pour pas être trop abusé avec le personnage qui a plus qui de énervé là. C'est pas non non mais non. Oh, ça fait trop peur. C'est-à-dire, et du coup elle fait plus ce skill, mais si. Mais bah voilà, je n'ai plus de badane PV. Classique Lirae, c'est bon. Hein. Oh, t'aurais pu la soigner, mais non, 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 Lirae, elle veut pas soigner. Elle... elle veut pas se faire soigner, Lirae. Non, c'est mieux de manger les bananes PV, c'est mieux. Mais je me souviens pas, Laïa, elle a pas eu de tenue cœur? Je crois pas, non. Mais remarque, Lirae non plus. Non. Elle a préféré prendre un kimono, tu vois. Bla 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 bla. Oh. Moi qui te fais craquer. Personne, personne. Ben moi, il y a quelqu'un. Bien garde-le pour toi. C'est pas grave, elles sont contentes quand même, pas de problème. J'espère que ça te plaît. Alors... ah bah la voilà. Ah bon bah, suffisait d'en parler. D'abord, et qu'est-ce qu'il y a dans les jeux? Toujours le micro-reporter, allez vas-y, j'ai envie de tenter. Mais il y a seulement des filles dans cette auberge? Oui, et alors? Ah bah, la fabuleuse banane PV. Okay. Lirae, elle veut pas de soins, elle a des bananes. Ah non, pas besoin, c'est bon. Là. Regarde, hop, une banane. On a récupéré deux, c'est bon. Maintenant, une de plus, c'est bon. Bon, allez, encore un truc. Et après, on pourra vous donner à manger, c'est trop bien. Ah mince, j'ai oublié d'acheter la tenue cœur. Peut-être que tu peux revenir à l'auberge et que ça a pas changé. Ah oui, c'est bon. De... oui, c'est bon, je suis pas parti. Tu vois, j'y retourne, trop bien. Donc toi, du coup, tu veux acheter quoi? Ah oui, ah oui, oh oui, oui, ça vaut cher, ça. Alors, tu veux la tenue? Waouh! Tout est cool. Mais je dois avouer que là, du coup, je sais pas quelle couleur prendre. Je me dis que vu qu'on a déjà rose et bleu, soit en violet, soit en orange, soit en blanc... ouais, le blanc ça va. Ok, alors go pour le blanc. Ben non. Ah bah non. On peut pas l'avoir orange ou rouge. Bah si, si, il y a orange, mais il y a rouge, c'est rose. On me demande si les garçons ont aussi des tenues cuir. Oui, je pense que oui. La robe kimono n'aura pas fait long feu, bah je la remettrai après. C'est juste que voilà. En blanc, on dirait du jaune quand même. Bah c'est blanc. Beige. Mais pourquoi tu piques pas? On peut pas la piquer en fait, c'est... je pense que non. Hein. Krumpf. Ça veut dire que si tout le monde utilise la salière pouvoir, Hall, elle peut pas piquer quelqu'un. J'avoue. Lirae, c'est une Yéga. Je vois. Non, on n'a pas fini le jeu.
Oui, on peut modifier la couleur de son pseudo Twitch. N'était pas dangereux. Oui, bah en même temps, ça va, hein, c'est pas comme si on avançait dans l'histoire pour l'instant. Trop bien, il faut d'abord... Attends, tu t'es... Ah non, ok. Oh non, il faut faire deux fois le chemin, parce que c'est trop bien. Oh, regarde, une petite scénette. Mais non, en fait, cette tenue, c'est normal que Hall l'ait en blanc, parce que ça fait un cœur en or. Je vois, je vois. En fait, l'Irae, il faut lui mettre la tenue rose et Hall la tenue en blanc. Au revoir, Skylos. Vous êtes où, là? On est au château de l'Avatar du Mal. C'est un peu long, mais... Pas grave. Pas de problème. Les salaires se régénèrent automatiquement après un combat. Non, elles se régénèrent automatiquement après l'auberge. Ah, c'est après l'auberge, pardon. C'est juste qu'on fait tellement pas de combats. Voilà. Maintenant, c'est l'heure de faire une pause. Alors, bâton, c'est cher, et ça aussi c'est cher, donc tout est cher. Waouh, l'éventail habillé, ça y est, elles vont enfin pouvoir l'avoir. On va être trop contentes. T'inquiète, on va avoir une bonne dose d'expérience à la place. Ou pas. Ça va. Comment allez-vous depuis ce matin? Ça va. Non, on va bien, on va bien. Pas de problème. Pouah, on dit à tonnerre en bas. Alors, qui c'est qui a eu le plaisir de manger le gâteau à la crème? Tu sauras pas, mais... En tout cas, il y a des stats qui ont monté, c'est bien. Je suppose. Du coup, tu changes pas les couleurs? Oh. Bah, c'est pour voir qui est le mieux en quelle couleur, vu qu'on hésite. C'est vrai que ça fait bariolé après. Et voilà. Et voilà. T'inquiète, on y retourne. On va la voir, ton perso. Regarde. Oh, regarde, on la voit marcher. Là, elle tombe dans un trou. Cet éventail irait à merveille derrière vous. Trop bien, elle utilise le feu pour combattre le feu. Je rejoins jamais de notifications, pour l'instant, elles sont activées. Vous avez une solution? Tu es sûr qu'elles sont activées? Normalement, il faut cliquer sur le cœur vert de sur notre profil et appuyer sur « On ». Bon sang! Elle a tué quelqu'un, bon sang! Il y a un trou dans ma chaussure, pourquoi? Oui, c'est la question qu'on se pose tous. Ah, ça y est, c'est le moment où Atonner arrive. Ah non, il se fait perturber. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Ça a pas l'air d'aller, dirait. Non, mais sérieux, mais arrêtez! Mais non, mais eh oh! Non, mais la banane PV, elle sert à rien, c'est bon. Il faut la donner à l'Irae, c'est bon, hein. Le jeu, il sait, c'est bon. Vous faites tirer, tiens, prends une banane, bébé. Est-ce qu'on pourra avoir le QR code d'Emi que vous utilisez? Probablement, quand on aura fini le jeu. Pas si vite. Ouais, je vois, je fais un chemin pour rien, puisque j'ai... Ok.
Alors ça va, t'es convaincu par All Energy qu'elle attaque un peu plus. Pour l'instant ça va, elle fait plus son attaque magique, non? Oui, oui. Donc, ça a l'air d'être vraiment ça. Bon, après elle fait toujours ça. Du coup ça a cassé le statut en fait. Non, en fait le statut au bout de plusieurs tours il devient juste content comme ça en fait. Oui mais là elle l'a fait direct parce que Paul l'a complimenté. Non ils viennent de nous les amis. Réanimation enragée. Donne la force de sortir d'un Kyo s'il partenaire lui-même Kyo. Genre... Oh, c'est trop bien. Mais sinon oui, tous les mythes de ce jeu, c'est nous qui les avons faits. Ouais, même Ivo. Mais non, pas... enfin... Ah ouais, carrément, wow. 3700, ça coûte cher. La baguette cœur, oh, ça coûte cher. Après oui, non, il y a des mythes, genre je crois que Didi, c'est pas nous qui l'avons fait. Je pense pas, effectivement. Le professeur Chat, c'est moi. Non, ça, on l'a déjà vu. Au final, vous comptez utiliser des amiibo? Oui, oui, plus tard. Ah bah tiens, ils veulent l'ensemble kimono, allez, on va tenter. C'est juste que pour l'instant, on n'a pas pris le temps de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va gagner? Pourquoi vous créez pas un salon Discord avec les QR codes de vomi? Ce serait un bon début, parce que c'est déjà existant. Ça s'appelle Galerie Atonaire. Bon, alors tu veux que qui parte en voyage, là? Bah, même Meilu et... Non, je rigole, je sais pas du tout. On a Mipha et Lily à améliorer. Ok. Oui, je disais la galerie Atonaire en message épinglé. Comment vous allez faire pour les amiibo? Vous avez le machin pour les lire? Mais non, les vols. On va tricher. Mais ça, faut pas le dire. Il est obligé de tricher. Non, j'ai pas fini. Qui fait un fanart de l'Irae et les bananes PV? Bah, c'est déjà fait. Il est sur Twitter. Elle est jolie cette collection cœur, bien mieux que la collection gonflette. Oui, oui, bien sûr. Je vois pas le problème de la tenue gonflette. Quelle esquive! T'as vu, elle brûle, mais pas de problème, elle attaque quand même. Bah oui, yol, c'est ça le but. C'est ce qu'on va faire. Est-ce que ça se dit chevalière? Non. Oui. Mais pas pour la même chose. Une chevalière, c'est une bague. Et oui. Vous êtes sûr que la sauvegarde n'est pas liée à la console? Bah, on n'en sait rien, on n'a pas essayé. Et après, c'est pas grave, ça. C'est qui, Lily? C'est un personnage de Pokémon. Ça y est, on va enfin arrêter d'aller dans ce donjon. Trop bien, on va enfin voir une scénette d'histoire incroyable. Et là, c'est juste tombé dans un trou. Non, je rigole. Oui, non, mais là, c'est l'équipe à les séparer, trop bien. Ah, elle a plus de bananes PV. Non, mais sérieux, c'est tout le temps le Dirai qui se plaint de ne pas avoir de bananes PV. C'est quand même incroyable. Non, mais elle est pas contente parce que c'était plus elle qui avait le maximum de bananes PV mangées. Ça doit être ça. Alors, verdict après ces combats, tu préfères Hall avec une tenue rose ou une tenue blanche? J'ai pas trop fait attention. Ah bah. Et toi alors? Ça valait le coup de changer. Moi j'ai pas encore bien réfléchi. Bah alors, ça va, t'as encore le temps. Tu aimes répéter la même chose, Irai? Pas du tout, mais j'ai pas le choix. Bon. Wow, alors.
robe, runique. Ah bah la voilà, ah, la tunique voilà. À cœur. Waouh, elle est super chère. Merde, je voulais pas acheter une banane PV, je voulais voir. La toilette chinoise. Ah oui, d'accord, 1900 quand même. Mais hein. Oui, elle est super en retard. C'est bizarre d'entendre Lirae parler de Lirae à la troisième personne. Oui, mais c'est pas le même personnage. Lirae, c'est un pseudonyme que j'utilise, mais là, c'est le personnage Lirae. Ah, c'est trop joli. Je préfère la tenue blanche. Et là, t'inquiète, c'était la tenue chinoise qui était en vente dans le machin. Non, l'armure magique, mais il y a pas beaucoup de chance de l'avoir. Bon, non, c'est nul. Non, on n'a pas assez de nourriture. Enfin, le problème, en fait, c'est les cheveux rouges de ce jeu. Ils sont pas... Enfin, ils sont rouges, alors le rose, ça fait bizarre, peut-être. Je sais pas. Ah, ça y est, on a obtenu 12 tenues de princesse. Tenir. Ouais, bah, fallait pas mettre une boîte d'amiibo sur mon chemin, aussi. Ouais, mais il a jeté les deux, il y en avait deux. Allez, c'est parti. Du coup, il est censé y avoir une histoire, ici. Salut, petite Lola-chan. La voilà, l'histoire. Tu sais ce que c'est, les dragons? Bah oui, bien sûr. Ce sont des créatures énormes. Elles peuvent voler où bon leur semble. Et cracher du feu. Une nourriture en sang, un clin d'œil. Ah oui, j'ai lu ça dans un livre. Mais en vrai, ça n'existe pas, les dragons aussi. Qui sait? Ouais, donc du coup, là, on va affronter un dragon, c'est ça. Le dragon Paragus. Le dragon Paragus. Pourquoi Mipha a des lunettes sur la tête? C'était pour faire un peu plus rouge sur son front, comme le truc qu'elle a. Qu'est-ce que c'est? Le dragon. Ah bah tiens, justement. Un dragon. C'est le dragon! Dragon! Il dragon. S'appelle juste dragon! C'est parti pour le combat de la mort! Méga feu! Comme un mégaphone! Ah, il crache du feu! Et quelle brûlure! Ah, oui, effectivement! Oh, wow, oh, qu'est-ce qui fait mal! Bon, faut pas rigoler, hein! Tu te moques du dragon, mais le dragon il va tuer Lirae parce que voilà. Comme ça, Lirae. C'est toujours comme ça. Non, merci. Non, ça va. Merci, Nat. Oh, 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 oh oui. Tu m'étonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a murmuré des trucs au dragon, oh, mais. Le dragon, il a pas aimé. Mais le dragon, il a pas trop entendu, je pense. Hein. Mais non, il a des bonnes oreilles, le dragon, c'est tout. Ah, ça y est, elle va séduire quelqu'un. Elle va séduire Lirae. Genre, tu pouvais pas séduire quelqu'un d'autre. Non, non, on va séduire le mage. Comme ça, il attaque plus. Mais c'est trop cool, du coup, ça lui redonne des PM et ça lui donne le statut, bah... Oui, mais ça sert à rien sur Lirae, quoi. Bah, c'est peut-être qu'elle le fera après. On qui va veut se battre déterminé. Comme ça, elle le fera à tout le monde. C'est bon, t'inquiète. Pas besoin, elle le fait toute seule. Il retrouve son calme. Incroyable, il crache des boules de feu. Wow, oh là, elle va bientôt mourir. Lirae aussi. Bon, bah, je soigne qui? Je soigne Paul. Incroyable! Elle a fait 39 de dommages! Bah oui. Wouah! Ah, ça y est, elle est morte. Ah mince! Comment oses-tu? On dirait qu'elle est un petit peu quand même. Elle est pas très claire au niveau de ses émotions. Non, c'est pas grave. On va essayer de réanimer machin et ensuite on va mettre dans l'abri. Mais arrêtez avec ça! Ouais, mais elle veut pas se ressusciter. Elle veut faire ressusciter, c'est comme ça. Elle va toutes mourir. Et du coup, elle est encore plus énervée? T'es foulement sur le dragon.
Mais non, elle l'a tué. Non mais on tue pas mes coéquipiers comme ça. On est tous fatigués, c'est trop bien. Ah trop bien, on a obtenu le fruit du dragon. Le meilleur fruit. Oh regarde, il est gentil le dragon. Il est devenu ami avec le dragon. Où suis-je, mes aïeux, c'est embarrassant. Vous m'avez délivré. Du fond du cœur, merci. Je suis Dominique, mon dragon de mon état. Voilà, il a un nom. J'ignore ce qui m'est arrivé. Mais il semblerait que j'ai semé un certain chaos. Je vous prie de m'excuser. Wouah! What are you doing, Mr. Volcano? Qu'il est fatigant de piétiner ses adversaires. Je vous souhaite une bien bonne nuit. Rapide, c'est clair. Il est trop mignon, le dragon. Les gens, ils craquent pour Dominique, le dragon. Bon, alors, il serait temps d'arrêter de jouer, quand même. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut acheter de beau? Oui, la tunique à cœur. Ensemble, le kimono, oui. Bon, allez, on va tenter la tunique à cœur. Non, tu l'as vu de quelle couleur? Violette, comme ça. Tout le monde a une couleur différente, c'est ça? Après, il y a le cyan. Que t'aimais bien pour... Mais élu jusqu'à ce que finalement non. Ok, rien du tout. Mais non, il y avait une grosse portion d'expérience, avec beaucoup de chance. Alors ça donne quoi de beau ça? Des PV et des PM, mais c'est trop nul. Alors tu critiques pas? Le fruit du dragon, c'est le meilleur fruit. Non mais franchement, vous jouez depuis 10 minutes là. C'est bon. Eh ben dis donc. Quel animé regardez-vous, Fumitopia? Meilleur animé. Entièrement d'accord, voilà. Donc en fait, les dragons, c'était pas des histoires? J'en tremble encore. Mais on a bien vu quand elle est redevenue normale. En fait, c'était juste une grosse poule mouillée. Tu l'as dit. Nous allons bientôt arriver devant le trône de l'avatar du mal. Le combat final. Allez, en avant. C'est parti. Ça va, elles sont motivées. C'est normal, pour tuer Paragus, toujours. Ah bon. Oh non. Pourquoi vous avez enlevé celui qui faisait des dégâts? Des dégâts, ah bah non, non c'est bon, t'as direct, elle fait explosion, elle va tuer tout le monde. Oh, bah, ah bah oui, hein, ah bah oui, hein, bah il faut pas rigoler non plus. Bon, c'est bon. Mais non, elle a raté. Mais elle est sérieuse. En même temps, elle pleure. Ah non, elle pleure. Elle agite son propre chef. Allez, tue le bon. Voilà. Phew. Dirai, jamais t'arrives à la réanimer. Impossible de la réanimer. Allez, on continue désespérément. Bon, ça sert à rien quand même. Hein. Le but, c'est quand même pas qu'elle meure, elle. Trop bien. Vous allez quand même pas perdre pour rien. Vous n'utilisez pas la salière vie? Bah qu'en cas de nécessité. Heureusement que nous avons un skill pour ressusciter les gens. Surtout. En général, la salière vie, on s'en sert pour ressusciter Laïa. Et comme là, Laïa, elle était pas morte. Regarde la grosse lance.
Et voilà. Donc on va y arriver. Ici, on joue à pierre, feuille, ciseaux. Non, c'est nul. Ah, parce qu'il y a deux chemins en plus. Pour que tu raffrontes les faucheurs. T'inquiète, il y en a encore. Non, ça va. Vous allez monter l'amitié de Hall et Lyrae? Je pense pas. Je sais pas, sûrement. On sait pas. Et ça y est, elle est remorte. Allez, courage! Peut-être qu'ils vont réussir. Non, bah non. Ah, ça fait du bien. Comment ça fait du bien? Bah oui. Ça fait du bien de se faire frapper un peu de temps en temps. T'as pas besoin de la soigner, Hall, en fait. Elle se soigne toute seule. Bah oui, normalement, elle se soigne toute seule. La classe Diablotine, c'est une classe qui se suffit à elle-même. Non mais sérieux quoi? Mais vous êtes sérieux de pas attaquer aussi? On n'a pas envie d'attaquer, ça sert à rien d'attaquer. C'est mieux de manger des bonbons quand on en a pas besoin. Hein, t'as un skill pour absorber les MP? Non mais on va pas le faire, c'est mieux de... C'est mieux de... Oh, tiens, elle a pas de... Il y a quoi comme autre type de héros que ces trois-là? Comment ça? Autre type de héros que ces trois-là? Ah, bah oui, il y en a que trois, là. Alors, comme classe, il existe. Guerrier, mage, prêtre, voleur, popstar, cuisinier, diablotin... Fleur. Attends, j'essaie de les dire dans l'ordre. Diablotin, scientifique... Tank. Oui, mais tank, fleur... Tank, princesse et fleur. Princesse, mais j'en ai oublié un. Je crois pas. Hein. Si. C'est chat, voilà. Ah oui. Lyrae, tes persos qui te représentent ne devraient pas être immunisés contre le feu? Bah non. Pas forcément. Ah, bah surtout que, en plus, il y a aucun de mes persos qui représente le feu, en fait. Il y a un peu de temps pour nous aujourd'hui. J'en profite pour changer de coupe de cheveux. Oh purée! C'est trop nul. À la limite, peut-être Hall fait du feu. Vous voulez rien acheter maintenant, c'est bon, oh, c'est bon, on n'achète plus rien. Ah, c'est bon, banane PV, c'est bien. J'ai vu quelqu'un déguisé en fleur, c'est pas une classe, mais c'est on a dit que c'était dans les classes. On l'a même dit deux fois. Oui, c'est grave. C'est écrit dans les règles du stream de pas faire de révélation. Ah non, c'est écrit de pas nous aider. Ah bon, bah... Faut que je rajoute aussi de pas faire des révélations. Pourtant, ça me paraissait être du bon sens. Alors, t'es prête à réaffronter le faucheur? Le chauffeur? Le chauffeur. Cette fois, il y aura Meilu. Vous pouvez faire des révélations sur Mivers. Ok, Laya. Oh, elle l'a pas tué. Un! Ah oui, ah d'accord. Ah bah bravo! Regarde là. Oh là, elle est énervée parce que son arme a grandi. Pourquoi on a fait grandir mon arme? Inadmissible! Ouais, trop bien.
Ouais, il est une guerrière ou une voleuse. Ni l'un ni l'autre. Ça me donne faim, c'est tout. Oui, oui, le faucheur est immunisé à l'attaque magique. Ah, trop bien, le meilleur endroit. Trop bien, un minotaure. Je vais soigner. Machin, en espérant qu'elle veuille bien. Oui. Bon sang. Du coup, il reste plus que le minotaure. J'avoue que t'aimerais pas te prendre une épée dorée géante dans la figure. Non, j'aimerais pas. Mais alors, vous apprenez pas de skill, là? C'est pas fou, bah ouais. Prendre des skills, c'est bien. 1600. Décidément, vous voulez rien donner. Justement, ça doit être le seul moyen de pouvoir soigner un personnage déterminé. Quoique non, bah non, il y a d'autres classes qui soignent, mais voilà. Pas bien de dire qu'on est fatigué. À peine on reçoit un ticket de jeu dont on servira pas parce que le jeu veut pas te donner des trucs à utiliser dans les tickets de jeu. Oh purée, y'a deux minotaures là. Vous avez un cuisinier dans l'équipe? Non. Alors, disons que c'est Hall qui a le plus de mal en point. Mais elle peut se soigner toute seule, Hall, il n'y a pas de problème. Ça fait peur les bras tellement longs comme ça. T'aimes pas les longs bras? Ouah, il lui reste un HP à lirer. 235, ah oui d'accord, ok. C'est bon. C'est bon. Attends. Méga foudre. Oui, c'est la fin. Okay. Ah non, il y a encore une petite scénette avant. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose par terre. Trop bien. Un bonbon. Alors, finalement, il va y avoir deux chemins. Eh oui. Toujours. J'ai l'impression que tu fais que reprendre des chemins comme ça. C'est bien, non? Bonsoir à ceux qui arrivent. Ah, tes monstres favoris. Mais lui, elle est pas très bien. T'inquiète, je suis là pour soigner. Ils font 34 de dommages quand même. 36, allez, hop. Alors regarde, elle va faire son nouveau, le méga foudre. Oh, carrément! Ils se sacrifient tous pour l'IA. De bonne humeur et pleine d'énergie. Que j'ai raté, pas grand chose. Un dragon.
Dominique le dragon. Ah, ça y est, elles sont niveau 20. Bon, toujours rien. Allez, donnez-moi des trucs là dans le truc. Non, mais vous voulez pas. Hein. Micro à facettes. Oui, parce que Inkyrae, elle l'a pas, alors que Mailu, oui. Ah, ok. Quel repas. Ah, oh, du coup, ça fait une flèche rose maintenant. Où ça? Pour Lirae et Laya. C'est plus orange. Mmh. Le jeu est cool, mais ça manque de bombes. Ah. Mais il y en a des bombes dans le jeu, c'est bon. Pas de problème. C'est le meilleur ennemi du jeu d'ailleurs, les bombes. Oh, regarde les griffons. Les ténèbres. Ils sont trop cool. Elle en a marre, Lirae, c'est bon. Griffon, c'est nul. Oh, Lirae était très jolie. Heureusement. Bien, merci. J'avoue qu'elle veut jamais épargner des gens au final, Laya, là. Oui, je me demande si elle peut pas le faire parce qu'elle est... Non, elle le faisait, hein. Ah. Elle veut de l'exp. Non, c'est bon. Miaou. Mais pourquoi? Mais non, mais justement. Oh là, elle veut aider Lirae, comme c'est la plus faible, à être au niveau des autres. Eh ben, elle est morte. Elles en ont toutes rien à faire, hein. C'est pas grave. Personne n'est ami avec Lirae, en fait. En tous les ans, un au moins, je sais pas. Je lui ai réglé son compte, Laya. J'ai un personnage gentil qui n'a jamais épargné personne. On dirait que l'arme de Laya est un lampadaire, mais je crois que c'est ça. Un lampadaire. Bah, ça s'appelle le bâton. Mais arrêtez. Bon. Non, on ressuscite qui? On ressuscite Lirae qui veut jamais être ressuscité ou Mailu qui veut bien des fois? Bah après, techniquement, c'est Mailu qui fait le plus de dégâts, donc c'est plus logique de ressusciter Mailu. Non mais vous êtes sérieux là? Attends, il fait que 8? En fait, il est nul lui. Peut-être qu'elle lui a raconté un mensonge. Pourquoi elle mange un bonbon alors qu'elle a des skills? Va savoir. Va savoir. Pauvre Lirae, elle dort tout le temps. Mais là, elle se prend 23. Ah, tu vois, elle charme d'autres personnes. Ouais, ouais, mais c'est parce qu'elle est pas vivante. Mais... Après, ça dépend peut-être de la consommation de MP, comme Mailu utilise jamais de MP, je sais pas. Je ne sais pas. Encore heureux que les Mi ils sont pas énervés quand Aude elle fait des trucs, parce que sinon les relations elles seraient toujours dramatiques entre les Mi et les Diablotins. Au caribou, Maneko. 3 tickets de jeu. J'ai l'impression que Hall fait la séduction pour healer les MP. Ah oui, je vois, ok. Oui, c'est ce que je voulais dire. Tunique fantôme. Bon, c'est bien, on a plein de trucs, mais... Mais vous voulez jamais, hein. Non, non, bah c'est bon. Je
t'ai plus du stuff. Ah, Livol, faut pas que tu le spoil. Non, je rigole. Je l'ai déjà dit à Milu. Je l'ai déjà dit. Pourquoi tant que c'est la pire classe? Oui, oui. Ah, bah, on est arrivé au boss. Ah. Attends, je peux retirer le chapeau de Laïa. Alors, du coup, tu t'es décidé rose ou blanc? Et toi, tu t'es décidé? Attends, quoi? Oh, si, c'est aspect du chapeau. Qu'est-ce que tu fais là? Tu changes de tenue là? Oh, c'est nul ce truc! Non, fallait aller vers le haut, t'as plus de tenue. Alors, t'aimes bien cette baguette? J'avoue. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Là, tu changes l'arme. Sérieux? Pourquoi ils ont fait ça, comme ça? Une baguette en argent est cool. On va mettre la baguette en argent. Après, je trouve que cette couleur, elle va pas bien à Laïa, alors c'est triste. Mais là, on bleu quand même, hein, c'est pas grave. Voilà, c'est plus Laïa. Alors, tu t'es décidé? En gros, c'était... Bon, ça va, le blanc, finalement. Ok, bah alors, on reste sur blanc. Ah, ouais, bah c'est bon, ouais, bah c'est bon, je pense, hein. Mmh. Voilà, c'est bon, allez, c'est parti. C'est les Madame Rose, elles vont attaquer Paragus, le maléfique. Le magnifique. Encore de longs cubes, voilà. Ton heure a sonné, avatar du mal, Paragus. C'est vous qui allez m'empêcher de nuire. C'est drôle, vous avez fait tout ce chemin pour venir me défier, leur création est finie. Laissez-moi juste récupérer vos petits visages d'ange, et vos âmes, et vos vies, et vos MP. Et si on veut pas te les donner? Prépare-toi à mordre la poussière, avatar du mal Paragus. Allez, c'est parti! Pour le combat de ta vie! Non, on a qu'un seul ennemi. Nous n'avons que Paragus. Attends, je vais faire un super arme! Elle est motivée là, Lirai, c'est bon. C'est le boss final. C'est le boss final, là, c'est bon. On lui laisse pas de chance. Méga feu! Elle murmure des bêtises à l'avatar du mal Paragus. Mira, il nage en plein cauchemar, oh non. Trop bien, il a perdu des points de vie. Allez, on y va à fond. Incroyable. Ah oui, du coup, c'est vrai que là, elle a perdu, elle lui a fait baisser sa défense. Il craint pas la magie, du coup. Bon, meurs pas. Je pense que comme ça, t'es obligé... Ah mais non, elle est pas obligée d'accepter, en fait. On a déjà fait les frais, c'est pour ça que Hall, en fait, détestait... Enfin, Laïa détestait Hall. T'as vu, elle attaque, incroyable. Bon bah, elle a fait 70, cette fois-ci. Pourquoi tout à l'heure, elle a fait 47? Elle était plus motivée. Merci, Maneko. Trop bien! Ok, pourquoi Laïa a fait plus de dommages? Non, mais c'est bon, c'est elle la vraie. Il appelle un acolyte. Ah! Ah! Oh non, mais pas deux! Ah, c'est carrément Laïa qui s'est fait voler son visage. Trop bien, bah il a volé le DPS et le healer, voilà, c'est bon. Il a tout compris. Choix impossible. Mais non, mais... Mais non!
Ah bah non, hein, on va attaquer le boss du coup. Bienvenue dans la réalité, ah bah tu m'étonnes. Bon du coup, je peux peut-être la mettre là-dedans, récupérer ses MP. Oui. Ah mais vous êtes sérieuse aussi? Ah non, non, on va pas attaquer les mobs. Ça sert à rien. Non, c'est bon, le main caractère a perdu son visage. Allez, 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 comme ça, ouais, c'est bien. Ouais, fallait faire ça depuis le début, bien sûr. Très bonne idée. Ok, elle a tout récupéré. Ils vont tuer Paragus avant de sauver Laïa et... Ah non, mais non, on veut pas sauver nos amis, donc c'est bon, on veut tuer Paragus. C'est lui le méchant. Eh, tu sais, ils ont raison, Paragus, il t'attaque plus. Ah, c'est clair que le gars, il fait plus rien. Oui. C'était trop bien parce que voilà, là, il y a, elle récupère ses points comme ça. Là. Et vu qu'ils attaquent même pas les... ceux qui sont sur le terrain en plus. Ah, le bonbon MP. Ah si, des fois, ils attaquent de temps en temps, quand même. Hein. Je crois que Paragus lui-même, il comprend pas trop ce qui lui arrive, quand même. Quoi? Mais il se fait aspirer sa vie, le pauvre. C'est bien, ils attaquent Hall, mais Hall, elle a beaucoup de défense ou d'attaque... Enfin, je sais pas. Elle résiste à plein de trucs. Ah, c'est bon, ils vont mourir les deux. T'inquiète, ils vont se refaire voler direct leur visage. Attention! Attends, je vais peut-être... Non, pas besoin. Mais pourquoi tu veux manger des bonbons alors que tu as un skill pour ça? Oh, mais Paragus a presque plus de MP. J'avoue. Est-ce qu'ils ont des MP, les mobs? Trop bien! Il est toujours pas mort là? Ah voilà! Trop bien, merci les filles! Voilà, très beau combat final, j'ai bien aimé hein. Ce moment où... Beaucoup de solidarité! On s'en est sorti sans trop de dommages! Alors un skill là? Ah, un point d'XP bonus, ça. Qui va les gagner? On dirait que c'est Laïa la plus en retard. Mais non, elle a deux niveaux de plus. Ah oui, d'accord. Délice ultime, trop bien. Comment on va farmer des délices ultimes? Yu-Gi-Oh! Ah, c'est Paragus des Gozaimas. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu le passais? Qui donc? Vous venez de battre l'avatar du mal? En fait, ça me surprend pas. Je savais que vous en étiez capable. Hein? Attention! Oh, Ribbon s'est fait posséder! Dites donc, ce visage et ce corps sont très prometteurs! Ah, c'est sûr, je gagne au change! Oh! L'avatar du pire! Et en plus, j'ai récupéré le pouvoir de la grande sage! À côté, en avatar du mal, j'étais un enfant de cœur! Désormais, je serai l'avatar du pire! Moi! C'est moi, l'esprit divin tout puissant, dis donc, vous voilà dans un joli pétrin. Donc ce petit nuage bleu qui contrôlait l'avatar du mal. Il s'est approprié l'enveloppe corporelle de Paragus et maintenant le grand sage Ribbon lui obéit. Si le corps de votre ennemi ne sera plus qu'une partie du problème. Imagine, le grand sage en fait un vampire bien puissant.
Vous êtes les plus... Mais vous n'êtes plus amateur que vous étiez. Vous pensiez encore sauver le monde d'un ennemi encore plus coriace. En vrai, c'est un grand service. Ah, la grande sage Ribbon m'a porté secours. Il tente de lui rendre l'appareil. Mais il n'y a qu'un tout petit problème. Comment va-t-on pouvoir rattraper l'avatar du pire? Un coup. Ah. Les tristes mines, qu'est-ce qui vous nouveau autant de déplaisir? À cause de l'avatar du pire, n'est-ce pas? Ah, ça va, il est vite au courant quand même. Vous pouvez devenir en aide aux autres. Vous voulez bien prendre votre place? Donc on va lui courir après. Ça va devenir un shooter maintenant. Avec wow. L'IRAE, la shoot. Enfin, le shoot. Enfin, voilà. Elle tire des boules de feu. Et mais lui, bah, elle sert à rien vu que. Vu qu'elle fait pas de la magie. C'est pour ça qu'elle reste derrière. Trop bien! Waouh! Qu'est-ce que le monde est vaste! Même pour moi, cette vue est toujours un délice. Impossible d'explorer le monde entier. Comment retrouver l'avatar du pire? Ribbon! Une petite aiguille dans une botte de foin. Bien sûr! Quoi? Elle a l'air contente, Hall. Bah, en même temps. Moi, je pense que la meilleure place, c'est quand même celle de l'IRAE. L'IRAE? Vous avez entendu parler de la cité des voyageurs? Ton nom est en fait la meilleure réplication. C'est un endroit où les voyageurs se retrouvent. Des gens venus de tous les coins du monde. Vous êtes sérieux? Mais oui, quelqu'un saura bien vous renseigner. Meilleure piste en route.